voyageur, moi pas prêté longtemps sous tes et moi connais avec assurance que ma ouais Jésus dans le ciel. Yeah.
Thank you.
foi que voyant l'invisible, ils se sont livrés à la paix du Seigneur. Bien avec lui, il semblait impossible, quand sa promesse enflammait leur ardeur. Oui, dans nos âmes, flamme sacrée, et nous suivons les témoins d'autrefois, environnés. Qu'ils passaient la mer, ils étaient malheureux.
Alléluia. Les mourir et les lever. Assez-vous. On dit non, bataille qui gagne. L'organe Hébreux chapitre 12. Et vous prendre depuis le premier verset jusqu'au dernier verset. Vous devez prendre pour comparer entre Moïse et Jésus-Christ, qui est la loi et la grâce. La paix, mon Dieu. Amen. Parce que auteur inconnu, même si en pile théologien, ou écoute plume, non? C'est la plume de Paul, mais il a toujours été comme un livre, l'auteur inconnu. Si on fait comparaison, dans le verset que dame a choisi, pour thème révélé, qui tout sait pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte. Sous besoin bien comprendre verset ça, font-il quelque part bac dans Romains. Chapitre 12, le verset 1er. Apôtre Paul a parlé avec peuple romain. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu. Saint, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. N'a pas retourné côté nous joindre, terme réveil là. Qui parle entre Jésus-Christ, qui est inébranlable, avec Moïse, qui est branlable. Jésus-Christ est la fondation de tout l'univers. Et si tu as un monde qui t'a capable de camper pour le dire, je suis, c'est pour le faire moins. La paix, bon Dieu, abonné. Si tu as un monde qui t'a capable de camper, pour le dire, je suis celui qui suis. Et moi, l'univers actuellement t'a mis à genoux devant. Parce que l'univers est tellement à la recherche des dieux, il est prosterné devant tout tintin. Amen, oui. La paix, mon Dieu. L'univers prosterné devant toute grimace, tout tintin, il a fait Dieu, il a. Et puis, ils ont même encore, ils ont prosterné devant. Mais auteur à mon bagage, il dit, là, on regarde le verset 24, il dit, de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion, qui parle mieux de celui d'Abel. L'offrande d'Abel était agréable à Dieu. Mais Jésus-Christ, il est Dieu. Raison de faire montrer qu'on savoir, c'est pour nous capables bien comprendre
qui est-ce qui Jésus-Christ et qui ça ou même qui l'a. Si vous reconnaissant, parce que quel monde dit mais un gars, il fait un gars, grand gars, la mourir gars. Il demande à l'univers qu'on bat l'univers. Il s'est regardé. Quel que soit ça, il demande là, balle ou non. Mais nous, les chrétiens, il y a une grande différence entre un chrétien et un protestant. Il y a une grande différence tout entre un protestant et un monde qui vit l'église pour venir chercher un miracle. Le monde qui vient de l'église vient chercher un miracle, il est zélé. Mais le jour où il vient un miracle, il est mais son miracle, il a besoin. Mais nous, les chrétiens, dans les bons et les mauvais jours, nous toujours là. Dans le snow, nous là. Dans la pluie, nous là. Dans 100 degrés, nous là. Parce que ça fait ça, et pour rien à chercher, c'est parce que nous reconnaissons envers monde qui te fait sacrifice pour nous la paix mon jamais. Parce que bon bagaille m'a trouvé. Hébreux chapitre 12, surtout du verset 12 ou bien 18 à la fin. Les bon bagaille pour retirer la dent. Retirer Moïse. Retirer montagne de Sion. Quand nous parlons par les gens qui jouent et qui reconnaissent par les gras. Salmis sont tellement reconnaissants. Ni camper, ni tout que. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ces bienfaits envers moi. Gardez, virez vivou, et qu'on y a nos gars font flamme, m'foué, sans flamme, entrez qu'on y a nos sommes, 116, le verset 12. On a le font flamme. Nous allons toujours dire, surtout chez nous, les églises haïtiennes, c'est celle, peu à peu, capable de mentir, j'en voulais. Des fois, après, j'en mets plein à mentir. Pour qui cause, je ne vais pas venir en prime, je ne vais pas venir avec Bible. Je ne vais pas venir en papier. Ou dit n'importe qui bagaille, vous attendez, vous partenez, vous dites amen et allez. Mais vous ne pouvez pas retourner pour y aller consulter sortir là. Lors paraît dans l'église américaine, tout le monde va cahier devant vous. Tout le monde va en prime, tout le monde va en Bible. Il y a un autre, c'est pour soumettre au lit. Pour yon dit non, ça ne va pas prendre la main. Net ça nous tourne, ou capable de prêcher pour tout le monde a gardé fixe dans Dieu, c'est ça y a de sortir dit dernièrement et pas de s'arriver. Et c'est comprendre très bien. Parce que moi, je dis toujours, je ne vais pas vider petit job sous wash pour me prendre sirop miel pour me vider sous ma main. Je vais faire job ça. L'évangile. Son épée à deux tranchants. Quel percé ou remel, n'a pas quitté le percé. Parce que l'évangile son sens, quand où elle n'était plus à son vieux sans la mettre. Je ne vais pas passer mes sous tête pour me dire péché douce. Je ne vais pas faire comme ça. Je vais me dire, ça va bon. Vous voulez les mêmes? Béni soit l'Éternel. Parce que l'évangile là, il doit prêcher. Et toute cette table, il y a mouru de mentir parce que je t'ai prêché l'évangile. Qui s'amie moi-même pour me faire mourir de mentir. Gardez bien dans le psaume 116. C'est l'âme besoin pour nous arriver, pour nous capables de commencer à comprendre qui sa dame y ouvre tout. Souhait, on réveille des dames en fait. Où est-ce qu'on campe, reconnaissance à Dieu, qui veut dire qu'on reconnaît mon Dieu pour un bagaille. Amen, amen, amen. C'est ça que je parle de Dieu, je parle de Moïse. Tant Moïse l'a passé. Je parle de la montagne de Sinaï. Non, il est passé.
Je dis à ces montagnes, l'église du Nazaréen que n'a monté aujourd'hui. Il y a fêté ça, mon Dieu fait pour vous. Dans le psaume 116. Salmiste en campé. Le verset 12.